Si l'on vous dit New York, vous pensez spontanément Statue de la Liberté, Empire State Building et bien sûr, Pont de Brooklyn. Avec ses deux piliers massifs plantés de part et d'autre de l'East River, il connecte en un clin d'œil Brooklyn à Manhattan. Inauguré en 1883, ce colosse de calcaire et de granit a nécessité près de 14 ans de travaux et nombreux sont les ouvriers qui ont perdu la vie lors de sa construction périlleuse. Aujourd'hui, 120 000 véhicules, 4 000 piétons et 2 600 cyclistes en moyenne l'empruntent chaque jour. Ce ne sont pas ces chiffres records qui fascinent Mike Maring, jeune professeur d'histoire, mais plutôt une drôle d'affaire de cave à vin nichée sous les ancrages du pont depuis la fin du 19e siècle. Avant, autour de nous, il y avait des hangars, des usines. New York était alors le plus gros port de la côte Est. On transportait par bateau des biens d'ici vers le monde entier. Et Manhattan est un endroit stratégique, car c'est ici que tout se passe en termes de commerce. La ville avait besoin d'un pont. Mais alors, où l'installer? Sur les berges de l'East River, il y a déjà des entreprises partout. John Augustus Roebling, l'ingénieur d'origine allemande en charge du projet, a établi un tracé. Problème, de chaque côté de la rivière, des marchands de vin font obstacle à l'avancée des travaux. D'un côté du pont, vous aviez l'importateur Ricky à Brooklyn, et puis les Lutis Brothers qui ont déjà leur entrepôt installé là. Donc Roebling et la ville de New York se disent « tant pis, on ne va pas se gêner ». Et ils utilisent leur droit de préemption pour réquisitionner ces emplacements au nom de l'intérêt général. La surprise, c'est que le passage en force des autorités new-yorkaises va finalement se révéler être une opportunité économique. Quand ils ont creusé pour enfouir les câbles du pont, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de créer de nombreux espaces vacants. Et comme Roebling est aussi un entrepreneur dans l'âme, il se dit pourquoi ne pas louer ces emplacements. Il faut se rappeler que le pont de Brooklyn leur a coûté 15 millions de dollars dans les années 1880. Alors pourquoi ne pas se faire un peu d'argent en plus ? 7 ans avant la fin des travaux et l'ouverture officielle du Brooklyn Bridge au public, des dizaines de caves à vin sont donc aménagées sous les ancrages du pont pour être louées aux marchands. Voilà, ce sont les anciennes caves. À l'intérieur, les plafonds étaient d'une couleur bleu foncé. On les surnommait les grottes bleues. Sur les murs, on pouvait lire des noms de rues françaises, et certains avaient même fait des fresques illustrant les régions d'où venaient les vins. Il faisait très sombre à l'intérieur, il n'y avait que quelques ampoules, mais surtout des bougies. Et il ne faut pas oublier qu'avant ça, les entrepôts des marchands étaient bâtis en bois ou en ciment, rien de luxueux. Alors, quand ils se sont vus offrir l'opportunité de mettre leurs marchandises au frais dans des hangars construits avec 60 tonnes de granit, ils n'étaient pas mécontents. Ils savaient que leurs marchandises allaient rester bien au frais. En échange de l'emplacement stratégique qu'ils conservent, les gros importateurs de vin de New York devront payer des loyers conséquents pour l'époque, entre 2005 et 7000 dollars par mois par cellier, de quoi financer l'entretien de la structure. Qu'importe, ils ne sont pas perdants. Les frères Lutis, Reckies, ils importent des produits de qualité. Des champagnes français très coûteux, des vins italiens et allemands. Et pour eux, c'est mieux de les entreposer là, tout près de l'eau. Quand tu transportes des bouteilles en verre fragiles comme les leurs, mieux vaut les mettre à l'abri dès la sortie du bateau. L'air prospère des caves sous le pont de Brooklyn va durer 45 ans avant qu'en 1920, l'Amérique en plein examen de conscience ne déclare la guerre à l'alcool. C'est la prohibition. Il faudra attendre 1934 pour que les festivités reprennent. Les importateurs rouvrent en fanfare. Ils invitent les politiciens de la ville, le beau monde de New York. Et ils font une super fête dans l'ancrage côté Manhattan. On raconte qu'ils auraient presque bu tout ce qu'il y avait dans les caves. Les gens étaient très sous. Et ça a continué jusqu'au lendemain. Mais la fête sera de courte durée. La Deuxième Guerre mondiale, puis la Guerre froide vont définitivement condamner l'accès aux caves.
les ancrages du pont étant considérés comme une cible de choix pour les ennemis de l'Amérique. Et si de 1980 à 2001, des artistes pourront y organiser des festivals déjantés, c'est aujourd'hui au pied du pont, et non dans ces anciennes caves, qu'opère toute la magie du Brooklyn Bridge.